Allez, c'est parti les gars, avec un petit deck, voilà, un petit deck qui change de d'habitude, hein, voilà, donc bon, un deck par contre qui est pas vraiment puissant, hein, parce que bon, j'avoue qu'avec je fais que des égalités, hein. Ah ouais, à chaque fois je suis sur égalité, que ce soit avec une couronne ou zéro couronne, je suis que avec des égalités, c'est un truc de fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, tout simplement, voilà, donc ça va pas être très compliqué jusqu'ici, voilà, on va attendre, hop, on envoie ça, on envoie, tiens, du bombardier, on est des fous, nous, on envoie du bombardier, je sais pas, j'avais envie, hop, on envoie de la petite gargouille au cas où, en espérant qu'il ait pas de flèche, voilà, oh, du double, il a envoyé du double, alors, non, il a pas envoyé du double parce que c'est niveau 7, ou alors, est-ce qu'il a envoyé du double, ouais, je pense que, je sais pas s'il a envoyé du double ou s'il a envoyé des petites gargouilles, tu vois, genre, la horde et la petite, là, les trois petites. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais bon, soit il a un miroir, soit il a les deux trucs de gargouille, bon voilà, c'est pas non plus extrêmement grave dans les deux cas, parce que ça, voilà, ça va pas nous faire grand chose, vous allez voir pourquoi. non, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué grâce à ça, j'ai beau me dire que ça va pas être très grave, si, ça va être très grave malheureusement. Alors le bombardier qui risque de faire un peu de taf, s'il vous plaît. Ah voilà, donc il a les petites gargouilles, d'accord, ok, donc il a les deux gargouilles, il a pas de miroir. Donc ça fait plaisir, c'est déjà un peu moins grave au moins, ça fait moins de gargouilles, mais ça coûte moins cher aussi, donc forcément, mais bon, malgré tout, c'est toujours un peu mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dupliquer, je sais même pas, je sais ce qu'on va dupliquer, on va dupliquer les archers, et ouais, parce que là, avec ce qu'il a là, tu peux pas dupliquer les grosses troupes, c'est pas possible, ça ne servirait strictement à rien, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer de l'archer, du machin là, on va envoyer les hordes de gargouilles aussi. Non, on va envoyer les petites bêtes là, les trucs à la con là, hop là, ça se fait toujours plaisir ça. Oh là, mais on s'est fait désinguer mon gars, oh, mais c'est un truc de fou. Allez, les archers là, et au moins tuer lui là. Ah, oh, de pas loin, franchement de pas loin. Je pense que ça va être encore une égalité pour aujourd'hui. Non mais je pense que ça va être encore une égalité sur cette attaque là, parce que franchement c'est super dur de pas attaquer, enfin de pas pas perdre. Oh là, mais c'est quoi ça? Du ballon niveau 1, mon gars. Mais c'est quoi cette... Tu viens juste de le choper, le ballon. Ça se passe comment? C'est tout pourri, du ballon niveau 1, mon gars. Oh, regardez-moi ça. Oh, comme je suis en train de me faire désinguer. Allez, envoyez. S'il vous plaît, là. Aidez-moi. Allez, les boules de feu, elles sont pas assez rapides, les boules de feu. C'est ça qui est dommage sur les boules de feu. Ça les rend vraiment tout pourri. Alors là, mais je crois qu'on va lui désinguer une tour, les gars. Oh, mais je crois que pour une fois, on va gagner. Pour une fois, on va gagner, les gars. Mais oui, c'est une victoire pour ce deck limite impossible à gagner. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer les petites boules de feu, là. Hop, on va envoyer les hottes de gargouille. Et puis, voilà, on a gagné. Et ça fait plaisir, dis donc. Et franchement, oh là là. Oh, j'ai fait combien d'attaques? J'ai dû faire, allez, 4-5 attaques. J'ai fait que des égalités et une perte. Malheureusement, j'ai perdu une fois. Mais c'est pas très grave, mais sinon j'ai fait que des égalités, et franchement ça fait plaisir. À ce niveau-là, franchement il défend, mais vraiment pas mal. Bon, le problème c'est qu'il est très instable, il suffit que la personne ait des flèches, des hordes de gargouilles, et c'est assez instable après, tu vois. Il est assez compliqué à gérer ce deck, mais bon, il est plutôt potable au niveau de la défense. Ah ouais, ça c'est sûr, mais au niveau de l'attaque, on va dire qu'il y a mieux quand même. Il y a vraiment beaucoup mieux. Plutôt pas mal comme deck, ça va. Donc, ce que je vais faire... C'est que je pense que je vais vous laisser sur ce. On s'est fait une petite attaque du jour. On s'est fait plaisir, voilà, avec un deck différent d'habitude. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. J'avais fait un petit deck comme ça pour tester, pour faire une petite bataille. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la tester directement sur une attaque du jour. Ça pourrait toujours faire plaisir. Donc j'avais décidé de mettre ce deck à la recherche du deck parfait. Mais je me dis, finalement... Il vaut peut-être pas le coup, tu vois. Bon, après, je peux très bien mettre un deck de défense aussi, hein. Ça peut être ça aussi le délire, hein. On verra bien. Je vais voir comment je vais faire ça. Et puis voilà. Donc, moi, je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.